reçu des colis. Coucou. Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez hyper bien parce que moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester des fournitures scolaires. What the fuck? Pause, vous kiffez le décor? Attendez, est-ce que vous avez capté ce qui a changé? Les néons! Faut ouvrir les yeux les gars, faut peut-être se réveiller genre. Les néons, les néons! Voilà, j'essaie de mettre une ambiance un peu sympa parce que maintenant on se connaît, vous et moi, on aimerait un peu une ambiance plus proche quoi, plus sympa. Donc écoutez, dites-moi en commentaire, voilà, est-ce que vous aimez? Ouais, j'aime bien. Non, j'aime pas. Comment ça, t'aimes pas? Moi, j'adore! Moi aussi, j'adore! Désolée de vous le rappeler, j'espère que vous m'aimerez encore après, mais c'est bientôt la rentrée. Donc je me suis dit, pour ne pas mettre genre le mood un peu nul de la rentrée, on va faire une vidéo justement en rapport avec. Du coup j'ai commandé sur AliExpress, sur Amazon, ça a pris beaucoup de temps à arriver. J'espère que vous allez liker cette vidéo et vous abonner pour ne louper aucune, pour rentabiliser tout ça. Les gars, donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous laisse avec la suite, on va tester tout ça. J'ai commandé avant de partir en vacances, donc j'ai genre très peu en mémoire ce que j'ai commandé. Ok, j'ouvre en face de vous pour que vous voyez en même temps ce que je vois. Je sais ce que c'est. Ok, devinez ce que c'est. Ça me donne trop faim. Ok, donc pour l'instant, je pense que vous avez un peu genre l'image de ce que c'est. Ça sent pas les tenders. C'est des gommes. À quel moment t'es en classe et t'es en mode mince, j'ai dépassé. Et si je prenais une de mes gommes tenders dans un bucket imitation KFC? Super idée, non? Tiens les gars, c'est que je trouve c'est genre hyper réaliste. Mis à part la couleur orangée qui me fait juste penser à une mandarine, je trouve ça hyper, hyper stylé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, on va crash tester puisque le principe c'est quand même que ça efface. Je vais écrire un truc un peu au hasard qui n'a pas forcément de sens. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez bien vu ce que j'ai écrit. On va essayer maintenant de le gommer. Bah ça marche quoi, c'est une gomme. Je sais pas à quoi je m'attendais en même temps. Ça gomme quoi. C'est une gomme en même temps. Personnellement, je trouve ça hyper stylé. Après je sais pas genre où est-ce que t'es censé caler ça. Enfin, le packaging, il a du faux. On peut pas le mentir. Et je trouve même, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais qu'il a sa place dans mon fond. En effet, je pense que là, on est sur un élément quand même incontournable. Vous me direz votre avis. Heureusement qu'il est là. On est sauvés les prochaines fournitures. Je sais toujours pas ce que c'est. Écoutez, on va découvrir ensemble. En vrai, c'est ça qui est bien sur le fait que j'ai commandé il y a longtemps, c'est qu'on découvre un peu ensemble. Oh, je sais ce que c'est les gars. Oh, ça c'est un banger de fou. C'est du coup, attendez, je vais l'ouvrir. Là, quand vous voyez ça comme ça, vous vous dites quoi? Je pense que vous vous dites vraiment pas grand chose. C'est un stylo les gars. Donc là, on a la mine, genre trop stylé. Et le haut, c'est un squishy. Est-ce que vous savez, c'est quoi des squishy? Perso, quand j'étais petite, c'était genre la mode, mais de zinzin. Mais c'était plus à la mode que TikTok, pour vous dire. Et genre, c'est des trucs un peu anti-stress, satisfaisants. Genre, ta prof, elle te dit, ok, contrôle de maths, surprise, sortez vos affaires. T'es stressé, tu sais pas quoi faire. Au lieu de taper ton camarade, bah, tu squish, squish, squish. Genre, c'est une dinguerie. J'avais approximativement 8 ans, je pense que j'aurais pu genre tuer pour avoir ça. Et je ne le ramènerai pas en cours, mais je vais le mettre sur mon bureau et je pense que je serai plus apaisée. Ça va m'apporter une certaine sérénité, vous voyez, ça va ouvrir mes chakras intérieurs. Les gars, je vous jure qu'on dirait une stressée de la vie, parce que moi, faut savoir que je suis un tempérament pas stressé, mais que j'ai fait de l'hyperhidrose des mains, je me ronge les ongles. Donc je pense que je suis peut-être d'un tempérament stressé au final. C'est genre pas le diagnostic d'une personne anxieuse. Non. Mais bon, c'est pas grave étant donné que j'ai mon petit squishy qu'on va mettre également dans mon fond. Troisième colis, et pas des moindres. Genre il est hyper gros comparé aux autres et lourd. Et je sens, je m'en fous de ce qu'il y a dedans clairement, parce que je sens des genres, comment on dit, papier bulle. J'adore. Je sens que je vais m'amuser de fou avec ce petit papier bulle. Oh, il y a plein de papier bulle. J'adore le papier bulle. Oh, je m'en fous de ce qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. C'est un peu flop là. On passe à autre chose. Pour l'instant, on a genre une plaquette d'autocollant qui est plutôt fun. Genre, je vais vraiment coller ça quelque part dans ma chambre. Et ah, ok, ok, dinguerie. C'est une trousse, les gars. Parce que moi, je voulais faire en gros fourniture, trousse, stylo, tout le matériel nécessaire. Et il y avait que des trousses, ok, un peu simples.
je suis tombée sur la trousse plus high-tech que n'importe quel iPhone. Donc déjà, je sais pas comment elle marche. Donc là, t'as écrit presse. Ah presse. Le banger international, les gars. En gros, j'ai le fait d'appuyer, ça ouvre tout. Ok, on va tout refaire. Presse, presse, presse. Ensuite, on peut ouvrir en bas la trousse. Je sais pas, c'est pour mettre quoi. Ah, c'est genre une petite boîte. Non, c'est pour faire des antisèches. Oula. Et là, oh, et là, t'as tous les trucs pour mettre tes affaires et tout. Ah, c'est pour ça. Attendez. Oh, celui-là il servait pas à rien. Bah je vois toujours pas c'est quoi le principe de relever ça, mais là t'as school time table Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oui, je suis bilingue. C'est faux. Ok, donc c'est stylé de fou. Ça je comprends toujours pas. Genre je crois vraiment que c'est des antisèches. Regardez, t'as un parchemin qui se déroule. La trousse est incroyable. Genre je suis vraiment à ça, voire même à ça, voire même à ça, de prendre cette trousse pendant mon année scolaire. J'adore. J'adore, genre. Imagine, t'es là, t'as 6 ans et demi, t'arrives en cours avec ta petite trousse comme ça. Attendez, j'appuie sur mon bouton. T'es pas la plus stylée de la classe? C'est une dinguerie. Voilà, écoutez, franchement, je... En fait, j'ai pas envie de passer au prochain objet. Vous voyez, j'ai une certaine connexion avec cette trousse. Je me sens liée à elle. On est toutes les deux complexes et on cache bien notre jeu. La preuve. On a déballé tout le premier colis, les gars. On passe au deuxième, mais pas des moindres. Ça, je peux vous les stylos, la trousse, les gommes. On a la calculatrice. Genre, je pense que c'est pas censé être un objet what the fuck ou improbable, mais moi, soit j'ai très peu de culture et donc je ne connais pas ce gadget, soit c'est vraiment incroyable. On va découvrir ça ensemble, les gars. Oh yes, il y a la pile, ok. En l'ayant commandé, j'avais peur qu'ils ne me fournissent pas la pile, étant donné que... Déjà, non mais déjà, s'il vous plaît. Genre, qui a une calculatrice qui ressemble à un petit carnet? Ok, donc là, vous vous dites, Anna, t'es bête, genre, parce que là, c'est juste une calculatrice. Attendez, s'il vous plaît, je suis déçue, vous ne me connaissez pas encore après tout ce temps. Oh non! Faut un tournevis! Oh, je pue le seum. Faut un tournevis! Ok, les gars, bon, ce que je fais, c'est vraiment pas à reproduire. C'est pas un bon exemple, je ne suis pas un bon exemple. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Mais bon, à un moment, j'ai pas acheté une calculatrice pour ne pas l'utiliser, à un moment. An eternity later. Je suis un génie, les gars. Je suis un génie, je le dis, je n'ai pas peur de l'assumer. Il y avait une vis de la taille, genre d'un ongle rongé. Genre vraiment, la vis, elle était minuscule. Et je sais pas qui se trimballe avec un mini tournevis. Mais moi, j'avais un très grand cutter, je sais pas ce que c'est. Et j'ai réussi à l'enlever. Donc, pour le bien commun, pour votre bien à moi et à vous, on va pouvoir insérer cette pile. Et voir comment fonctionne cet objet. Ok, donc c'est un prank. Non mais c'est un prank. Il y avait déjà une pile. Il y avait déjà une pile. Genre, il y avait déjà une pile. Bah pourquoi ça marche pas alors? Mais je suis censée de la péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Purée, j'ai signé pour une vidéo fun, drôle et amusante, moi, pas pour un casse-tête. C'est pas pour rien que je suis pas allée en spémat. Espérons que ça marche, parce que sinon j'ai plus d'autres solutions. Bah pourquoi ça rentre pas déjà? Oh là là, pourquoi mon frère il est pas là quand j'ai besoin de lui? Je comprends rien. Ça marche, je suis un génie. Ok, maintenant les gars, c'est le moment de vous montrer l'utilité, la complexité et la genre la rigolerie de ce jouet. En gros, t'as ta calculatrice genre là, et si tu veux faire je sais pas quoi, d'ailleurs je comprends pas le principe, mais en tout cas t'as une petite tablette. C'est pas une dinguerie? Franchement je suis outrée. Et comment t'effaces du coup? C'est un banger international. Tu peux dessiner et tout, je vous jure que je vais ramener ça en cours cette année. T'es là, t'es en maths, le prof il te parle, tu t'en fous, tu comprends pas, bah tu dessines. Par contre j'aimerais bien savoir comment genre on efface. Je vais devoir lire la notice. J'aime pas lire les notices, je comprends même pas les notices. J'ai peut-être dit trop fois le mot notice dans cette phrase. Je sais pas si je suis vraiment hyper bête et que genre c'est super simple, mais je ne comprends rien. Déjà j'ai du mal à comprendre cette notice qui est en anglais, genre ok je sais dire... Hello, my name is Anna, I live in France, I love the dog and the cat.
Et je sais pas comprendre. Press the DHT tanky to transfer the content of JT storage. Non, non, je peux pas, je sais pas, je n'y arrive pas. Je ne sais pas, ça me saoule. Moi, je voulais faire un truc stylé en mode haha, petit génie qui sont abonnés à moi et qui commenteront pour me dire comment ça marche. En attendant, je ne valide pas cet objet. J'ai vraiment le seum, le mort, la rage, la haine, le seum. Voilà, je le dis. Prochaine. Mais sur un objet plus fun, plus simple de compréhension et un peu moins complexe, n'est-ce pas la vieille calculatrice? Là, je vois très bien ce que c'est. Parce que, en vrai, quand j'ai commandé ça, je me suis dit s'il y a un mec qui vérifie les commentaires, qui est en mode ok, qu'est-ce qu'elle a commandé Anna aujourd'hui? J'espère vraiment pas rencontrer ce mec un jour parce que je pense qu'il doit avoir une image de moi très peu développée et très peu évoluée. Parce que j'ai commandé un lot de genre, je sais pas combien, stylos en forme d'instruments de Bob le bricoleur, genre. Question, est-ce que à votre avis ça marche? On va prendre n'importe lequel. Donc là, t'as un... Je sais pas si ça s'appelle comment, une clé à molette peut-être. Qui se révèle être un stylo. Je pense que pour aller en cours et te dire « Ok, let's go, notez ma leçon du jour !» et sortir une clé à molette et un tournevis, non, je sais pas ce que c'est. Pour écrire, c'est que vraiment, t'es quelqu'un. C'est que vraiment, t'as du flow. Ok, on va faire un peu un inventaire de tout ce qu'il y a. Personnellement, dites-moi en commentaire les vôtres, mais mon préféré, c'est le marteau. Je trouve, il est là, il en impose, tu vois, t'es en mode... Ok, ok, sympa. T'as des pinces, t'as genre des clés à molette, c'est ça la clé à molette. T'as des clés... Ah, tu tombes! T'as des clés à molette. Ça... Je sais vraiment pas ce que je vais faire de tout ça, c'est... Qui a eu l'idée de me laisser acheter librement ce que je pouvais? Ok, vous savez quoi? Autant on en est, autant tous les jeter, ils sont tous tombés, je pense que... Je pense qu'on est sur une fin de vidéo assez sympa. Avant de vous dire au revoir, je me dois d'élire mon objet préféré de cette vidéo qui est incontestablement, et j'espère que vous me connaissez bien, à votre avis c'est quoi? Eh oui, c'était bien évidemment la trousse la plus stylée de l'humanité. On va represse un bon coup, vous et moi, pour ce... déstressé, hop, il en manque un, voilà. Les gars, j'espère sur ce que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. J'ai essayé de pimper un peu la rentrée puisque je sais que c'est pas un truc agréable pour tout le monde et que tout le monde ne kiffe pas aller à l'école ou genre juste faire la rentrée, tu vois. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne rentrée à toutes et à tous. Dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez pour que je sache à qui je m'adresse en fait, puisque là foncièrement c'est une caméra à qui je parle. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont posés dans leur salon, face à leur télé, face à leur téléphone, face à leur ordinateur, face à leur tablette. Oui, je m'arrête. Oui, je vais m'arrêter. Je sais que vous vous êtes dit, c'est non relou, celle-là, elle veut pas s'arrêter, je m'arrête. Mais que vous êtes vraiment des vraies personnes, donc dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.